Bon, le pays a vraiment demandé un fil considération parce que nous descendons, même quoi que nous ne pas privés dans le fond pays. Parce que conscience, nous avons dit, doit travailler. Et dès que nous avons prise de conscience, nous avons commencé à ça privé. Donc, les citoyens n'ont pas prêté pour mourir, nous avons dit camper. Donc, il a pensé qu'il y a besoin de mettre tête ensemble pour nous chercher une voie de sortie de crise pour le pays qui est capable de retirer nous dans une situation difficile que nous n'avons pas manger, nous n'avons pas voyager, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Et maintenant, c'est toujours. Depuis 7 juillet, 7 juin. C'est que toujours espoir, malgré tout. Non, toujours espoir, on dit tout autant, peut-être pas qu'on coupe, on va gagner des espoirs, on va mettre chapeau. Est-ce qu'on va gagner volonté pour côté autorité? Eh bien, c'est au coup forcé, c'est pas autorité, même elle n'est pas là. C'est comme ça, on a dit crise, on a dit solutionner dans le pays. On a par exemple les États-Unis, par exemple l'Angleterre, par exemple la Corée du Sud, par exemple et dans Cuba et plusieurs autres côtés encore. Donc à côté Paul Kagame, Rwanda. Donc, vous faites toute vie et apprécier l'union de pays. Ça, ou un message pour les gens qui dirigent et sous un message tout pour les qui avec Zam qui l'ont mis. Qui s'en a bien passé, Chavane? Bon, message là, c'est que voir ça, pas utile. Et si c'est là dans le persisté, il va prendre. Il a dit plus heureux parce que ça, au contraire, il va vivre une situation difficile et qui va permettre que même si on a beaucoup de l'argent, ça va pas être utile parce que depuis conscience pour en paix, eh bien, on va pas jouer n'importe quelle fortune qu'on a gagné, on a un million qui est venu sous forme de rançon et les gens, on va nous parler avec le consommateur qui nous fait une intervention Cité Soleil, comme ça, en 2004. Je fais intervention auprès de l'État, etc. Je suis en chance pour me rencontrer le Premier ministre Michel Ariel. Je dis côté de Pralé, nous ne sommes pas dans la bonne voie. Si nous ne pas tourner et chercher direction, le pays a pas perdu, nous tous pas perdu et rien ne va pas arriver. Même connaît, bon Dieu ne va pas quitter nous arriver dans le point. Nous avons sorti quand même et c'est gros espoir ça. Donc que Haïtien doit toujours vivre avec sentiment que tout n'est pas perdu. Ça, ça manque besoin, c'est pardon, c'est réconciliation, et puis c'est une prise de conscience, et puis mettez les mains ensemble pour nous aider nous traverser ce moment difficile. Situation que personne n'a pas souhaité, parce que le pays a beaucoup de gens qui arrivent dans l'état côté arrivé là. Mais au lieu de gens nous garder la situation, je ne comprends pas, nous garder qui gens qui sautent là-dedans. Et seul gens qui sautent là-dedans, là, c'est unité ça pour nous faire. Pour nous dire ça nous voulons. Ok? Pour nous dire qui côté nous est et qui côté nous voulons aller. Dans la situation nous aujourd'hui, nous avons l'État qui est totalement irresponsable. On pas qu'il y a monde qui seulement là a fait jour passé pour faire ça ou pas fait. Mais il n'y a pas même tenté est dans la solution par rapport à problème qui est dans le pays. Et il aurait été confortable comme si tout va bien. Ou pas attendre de dire rien, ou pas attendre de faire rien. Si nous créons une unité, je n'ai pas fait là. Nous ne pouvons pas parler pour autant de. Et c'est ça que nous allons faire.